Et salut YouTube! Laissons sa chance au jeu. Bienvenue évidemment sur la 7ème partie de ce Let's Play de God of War. Hein, tu peux réagir sur le hashtag God of War Xababa. Bah alors, oui, je disais à l'instant, voilà, laissons sa chance au jeu, si, même si pour l'instant la caméra est dégueulasse et on s'emmerde. Mais c'est quand même God of War quoi. C'est God of War, moi je suis fan de God of War en plus, hein, la vérité. 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Je veux dire, le jeu va forcément être génial. Donc ça arrive là. Ok. Please be careful. I'm still fixing that. Bah, comment on le casse alors? Tout défoncé. Bah, c'est un rouage qui fait chier, bah, je te le défonce son rouage moi. Bon ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est pas ce qu'il a hein. Bon, promenons-nous. Est-ce que j'ai une carte de ça? Ouais, on se balade hein. Dans les contreforts Good Times. Ah, y'a Tortue. The Turtle. Elle lui suçait le derrière. Ah, lui suçait le derrière. La tortue magique. Merci LouCH37. Ah, encore. Encore ce maudit poison. Et il est où cette fois-ci? Où est le truc qui annule le poison? Ah, il est là-bas, au loin. Regardez, regardez. Le bullet drop, la balistique. Ah non, bah finalement, je me fie à la mire. Mais connard! Je sais pas m'énerver, hein. Je suis pas du genre à m'énerver pour rien. Ah oui, en plus c'est pour le coffreux. Le coffreux. C'est bon. Mais c'est sérieux, jeu de ses morts. On est bien d'accord que c'est ça là. On voit le truc nul derrière qui n'intéresse personne. Normalement c'est ça. Et ben c'est pas ça. Donc là évidemment le chat me juge, j'entends déjà les lol lol lol. Normalement c'est ça, c'est le truc pourri qu'on est censé toucher, c'est toujours sur du bois. Du bois pourri. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Non, ne vous inquiétez pas, c'est imminent. Hein. Suffit juste de passer là. Hein. Je voulais le faire en mode skill shot, voilà, je le fais là, on s'emmerde. Super, bravo. Bravo le jeu vidéo. Le jeu vidéo est une fête. Alors... C'est bon, nous allons récupérer le coffre. Je suis sûr qu'il y avait moyen de faire un skill shot tout de même. Ah oui, mais j'étais clairement dessus en fait. D'accord. Le jeu a décidé de m'embêter. Le jeu avait juste décidé de m'embêter. De l'acier doux. Très bien. Ah! Stop. Ah mais ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai envie d'avoir ce coffre de ses morts mais je ne sais pas. Pour l'instant c'est bloqué, on a vu ce coffre. Hein. Un coffre similaire il n'y a pas longtemps. Bon bah ça c'est gratuit. Ah non sauf que pas vraiment parce que... Il y a des ronces. Impossible à brûler à couper. Oui je sais petit. Je sais bien. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire ici. S'emmerder jusqu'à la fin des temps. Je suis sûr qu'il y a un pixel. Oui d'accord, ok, I get it. On reviendra plus tard. Et qu'est-ce que je fais? Allez, voilà. Bravo le connard. Ah oui mais ça fait mal en plus. C'est que ça fait vraiment très mal. On aurait pu éviter. Ah bah utilise ton pouvoir de la honte. C'est vraiment anecdotique. Ah oui, mais attendez, j'ai upgradé mes trucs genre parade de bouclier et compagnie. Il n'y a pas moyen d'upgrader ces pouvoirs-là. C'était peut-être ça le plus intéressant à faire. Upgrader mon soin. En vrai, c'est sûrement le truc qui me sera le plus utile de tout le jeu. Me soigner. Être en PLS tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Je pense qu'il y avait encore des trucs nuls à trouver et je suis en train de m'enfoncer vers le scénario. Oh non mais on connaît hein. C'est quoi, c'est de la vie? Ah, c'est beaucoup de vie. Donc pour l'instant on laisse ça là. Ah il s'est barré? Ah d'accord. Ok,
C'est le fil rouge de cet endroit de mort, visiblement. Ah, il y a un chest par là, par contre. Hein. Moi, pour le coffre de ces morts, je ferais n'importe quoi. Sauf peut-être affronter... ça serait chiant que l'ennemi revienne, là. Pour me saouler et me pourrir. Alors que je suis en train de m'occuper de ce coffre. Qui nous passionne tous. La protection des avant-bras. Les symboles runiques de cette armure simple améliorent la récupération. Ah oui, d'accord. En fait, c'est beaucoup moins bien à chaque fois que mon gantelet du vœu. Mais la récupération, c'est quoi la stat? Les descriptions. I need the description. Réduit le temps de récupération des attaques runiques, des invocations uniques et des talismans. En gros, récupération, ça me permet d'avoir un cooldown plus rapide sur mes aptitudes spéciales. Rien à foutre. Alors. Je m'y ferai pas, hein. Que ça soit en classique ou en... Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Que ça soit en classique ou en par défaut du jeu, je joue mal. Toujours les mauvaises combinaisons de boutons. Mais j'ai pas m'énerver, hein. Allez, 100%, je meurs ici. Allez, c'est parti. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon. Mais non, mais je voulais pas rappeler, mais c'est vraiment le roi des cons. Je vais pas m'énerver. Oui, mais voilà, le roi des cons. Le roi des cons, qu'on disait donc. Mais je ne meurs. Voilà, y a toujours moyen de se mettre d'accord. Mais. Ah, par contre, faudrait que tu reviennes là parce que c'est chiant. Enfin, je peux récupérer. Voilà, merci. Tu reviens un jour ou pas? Visiblement, on va se faire chier jusqu'à la fin des temps. Ça me va. Hein. Y'a pas de lock, si. Et de toute façon, dès qu'elle se TP, c'est fini le lock. Tu voudrais pas revenir? Ah, sinon, c'est le petit qui va te terminer, mais c'est vraiment la lose. Hein. Là, c'est vraiment la teon pour le coup. Hein. Bon, en vrai. Mais non, mais. Je veux le viser. C'est juste que ce jeu, c'est un jeu de ses morts. Je m'excuse auprès de la commu. Excusez-moi la commu Xababa, mais. Mais vraiment, c'est compliqué. Mais bon, tant pis, hein, je reste en classique. J'ai pas envie de jouer qu'avec les gâchettes. Mais c'est particulier, hein. Il est vrai que c'est particulier. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! Dans le doute, taper dessus. Bon. Visiblement, on ne sait pas, c'est pour plus tard. Ne pas s'énerver. Donc on avait le choix de rentrer dans cette grotte là. Chambre cachée. C'est une chambre cachée ça? 2 sur 7. We'll need something to get through this one. Ah, d'accord, ok. Oh là là, il y a tellement de choses, il faut revenir. C'est un Metroidvania. C'est ça en fait. Ok, donc allons-y. Par ici, c'est donc la suite des événements. Il y a eu un bruit de ses morts là, il y a un monstre. There's a monster. Non? Huh? Huh? Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. Why? Très bien.
She meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. Faudrait que j'écoute ce qu'ils me disent en ces cas. It would serve you to stop talking. Et... Mais non, connard, je me suis gouré de bouton. Je voulais faire le lourd envoi de hache, et au lieu de ça, j'ai demandé à Jackie d'envoyer son... Oh, de taper pour un pixel de life. Mais ma vie est trop nulle, au bout d'un moment. C'est bon ? Ok. On avait doucement le con. Et alors, il y a des trucs qui peuvent exploser partout. Ça sent mauvais, hein. En général, ça sent le gros, ça sent le troll ou le cyclope. Moi, je call troll ou cyclope incessamment sous peu. Comment je prends ça ? Bien plus tard, j'imagine. Oh non, par là. Sauf que là, il y a Mind Game. Il y en a deux. Il y a deux trucs dégueulasses. Ah, et je ne peux pas aller là, tout simplement. Alors que ça a l'air évident que je peux aller là. Ça, si je le défonce... Est-ce qu'on pourrait se dire ça ? Je vais pas m'énerver. Ah ! On a parcouru le chemin. Mais pas assez. Très bien. Alors ça c'est con parce qu'on aurait pu le faire peut-être quand même en attendant le boss. Il y a un gros coffre là, mais comment on va faire? Ah, c'est bon, vu. Ah, il y a eu plein de gens qui se sont fait time out, c'était quoi? Non mais tape sur les trucs, les rochers il va se casser. Tape sur les trucs, va... Alors... Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on a enfin... A-t-on enfin... Non. J'ai cru qu'on avait l'hydromel ou je sais pas quoi, là. Charge de l'ours blanc. Attaque runique rapide. Attaque de charge rapide suivie d'une frappe. Kratos est protégé pendant la charge. Ça peut nous plaire. Ça remplacerait la fureur du troll de glace. Ah oui, cette merde qui n'intéresse personne. Appuyez sur triangle ou carré pour enchaîner sur une frappe de bouclier. Eh d'accord, c'est moi qui décide à quel moment... Oui, pourquoi pas. Mais attendez, alors du coup comment on l'a fait? Oui, non, ouais, c'est pareil, sauf que... Mais oui, mais quel connard! Quel connard! Voilà, voilà comment on prend mid-barre comme un con. Hallucinant. Et le reste donc c'est pour un éventuel fight ou parce que du coup j'ai pas envie de défoncer ça. Même si c'est tentant parce que ça se trouve ça va créer je ne sais quoi avec un passage vers je ne sais qui. Là aussi ça se trouve on défonce ça, c'est du génie. Mais je me dis qu'il y a sûrement un gros mob qui va apparaître. Oui c'est pareil qu'avant, c'est Alain Carré, juste on me le proposait pas parce que j'avais pas la hache de nouveau sur moi. C'est pour ça qu'il y a eu cet accident bête. Oui, donc là il faut que je ramène des trucs. Non, on le pousse. Ah d'accord. Tout simplement. Et là, le gros monstre. Voilà, merci. Alors. Oh, ça va mal se passer. Petite charge de l'ours. Hein. Non mais il est sérieux. Hé hey, gamin. C'est douloureux ça. Bravo petit boy. Bravo boy. Oh yeah. Ah c'est même pas moi qui vais le tuer. Ah mais y a son cousin. Bon ça va si c'est que ça. Ah mais l'autre. Moi ce qui m'intéresse c'est l'autre, c'est pas lui. Voilà. C'est pas eux. La charge de l'ours. La charge de l'ours. Ready yourself.
quoi déjà quand ça clignote? Je suis pas censé faire un truc de ses morts? Oh, j'ai tellement mal! J'ai tellement mal, j'ai tellement mal! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Tu veux pas aller vers là où il y a des amphores de merde? Et c'est moi qui brûle! C'est qui le con qui brûle? C'est Bibi! Ah, j'ai appuyé, ça n'a rien fait. Alors, je peux me faire ressusciter, non? Pas du tout. J'ai hésité à appuyer. Mais j'avais pas rajouté Alors, on peut enlever le caméra shake, Guyo. Salutations. J'avais pas racheté une pierre de ses morts? Ok. C'est un peu dommage d'utiliser ça pas sur lui, mais bon. Connard. What the fuck, je suis aveuglé. Oh là là, bâtard! Et à lui sucer le derrière! What? Oh! Très bien. Oh, mais sérieusement! Oh, vraiment! Ok. C'est tant difficile. Ok, ok, ok. Ça me plaît. C'est un bon combat. Même si je galère encore et je fais de la merde avec les boutons! Mais moi, ah, mais oui! Ah, les sbires peuvent tomber! Mais tombez, les sbires! Tourne les violons et tombez, les sbires! Mais ça rasboule pas! Let's go! Ok. Petit, ouais, petit, faut que tu m'aides, hein. Non mais attention à... Voilà. Exactement. Une bonne chose de faite. C'est bon, y'a plus que lui? Très bien. Ça va déjà être plus gérable. Arrête de faire le show, faut pas que je fasse trop le show, faut pas que je fasse trop le show. Voilà, mais bien sûr, la convivialité, hein. Ah merde, depuis le début, j'aurais pu l'utiliser pour... Mais non. Voilà. Connard. C'est douloureux. Oh là là, il a lâché plein de trucs. Cet élément extraordinaire renferme la rage du feu et le calme de la glace. Oui, la flamme de glace, c'est pour upgrader mon hache. Fantastique. Upgrader ma hache, d'ailleurs. J'en perds mon latin. Un enchantement qui améliore la force et les runes de 3. Très bien. Ça, oui, c'est pour la rage. La rage. Ok. Mon hache, c'est ça. Très bien. Ah, et du coup alors, il y avait ou...
Non, c'était pour le fight, bien sûr. I can see why mom wanted us to bring her here. Incroyable. De l'argent. Ah, j'ai trouvé 4 pièces, c'est formidable. Les ronces de ces morts, vivement qu'on puisse s'en occuper. Peut-être un upgrade dans la hache en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Wonder if Sindri knows the sky movers tangled with roots up here. I doubt it. So how's he gonna get it to work? I do not care. Motherfuckers. En vrai, j'aurais peut-être dû backdash pour m'occuper de ma hache et l'upgrader. Oh putain! Putain, c'est beau, hein? Is that smoke? C'est inquiétant. Ah, c'est très inquiétant! Stay back, boy. What is that? Mais qu'est-ce que c'est? You must find another way up. Huh. The witch. Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the black breath, and there's no way around it. Odin saw to that long ago. What are you doing here? Making sure you can finish your journey. Why wait to warn us? I was busy saving my friend, if you remember. Est-ce que c'est la meuf de Godless? Elle ressemble trop à l'actrice principale de Godless. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. Et sa voix aussi d'ailleurs. But that road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe. Maybe by helping you, I'll make up for a lifetime of mistakes. J'avais réussi à repérer le mec qui joue Faraday dans Lost, juste en voyant le personnage en 3D et sa voix. Donc là, je mets mes billets sur l'actrice de Godless. Where must we go? To a realm beyond your own. Ah. Ok. C'est d'accord. Et là, y a pas moyen de moyenner un petit truc. We're going to another realm? Are you coming? Ah bah non, même problème. Only for a little while. Only for a little while. Voilà, 5 copecs. Grosse ambiance. Bon bah allons-y alors. Hein. C'est bien elle, MV, l'observation. C'est elle? Putain, c'est ouf! Incroyable. Il repère tous les acteurs. Ah non, quelqu'un dit. D'accord, on balance des infos différentes. Greythaw. Quoi? Sindri said it was broken. Sindri? The dwarf at the foot of these hills. He was fixing it when we got here. No one was there when I passed by. Perhaps he finished. Dwarves are awfully resourceful. And irritating, based on the two we have met. That too. Paf! Je suis sûr il y a 3 pièces, voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Moi je casse des vases, moi! Just give that a turn. Oui. There. La boule magique! La boule magique, merci Gabzouz pour le host. Merci Geg pour les 500 bitcoins également. Veiluru pour le prime. Gordam. Attendez. Okay. Thankfully, it's no longer underwater. Why is that creature in the bay? No one knows. He just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. Ultimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large. T'as faudrait que j'écoute là, ce qu'elle me dit des fois. All of Midgard. See? Told you. They've hated each other ever since. Destined to kill each other. Come on.
believe in Ragnarok? I dearly wish I didn't, child. Je l'ai eu là, non? Ah ouais, je l'ai eu! Trop fort. You know, we actually talked to the World Serpent. You did? An exaggeration. I'm good with languages, even ones je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. I can't understand any of it. Sadly, no one can. He speaks a dead tongue. Oh. Must be lonely. Merci Klaus Witz pour le Prime. Amour. Bon alors, ouais, j'ai pas écouté de quoi vous parliez, mais on fait quoi? On va là, visiblement. Hein. Moi, j'ai pris l'info, on va là. Watch your step. Just along here. You sure? We came through here before and there's no way. Ah oui, voilà, avec le mont bout rouge, le bout bleu. Let me show you something. Elle va me montrer comment interagir avec le bout bleu. Are you watching? Ouais. Ah, c'est lui. Ah, c'est pour moi. Voilà, tu vas. It's solid. Tu vas servir à quelque chose, mon fils. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Bah, c'est très beau, mais ça, le FPS n'a pas kiffé l'expérience, malgré le fait qu'on soit en PS4 Pro, hein. This way. Mais c'est très joli. I want one. Le pénitent le passe. Those roots. Papillon de lumière. From Vanaheim? Sous you know les projecteurs. Just that they're always at war with the Aesir. As compared to Odin, they're the good guys. There are no good gods, boy. Thought I taught you that. Oui, bah, de toute façon, on connaît, hein. La fresque, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois ouvrir? Tyr's temple, built with help from the giants. Great Tyr used it to travel the nine realms and keep the peace between them. Doesn't seem very peaceful. Everywhere we go, we're attacked. Survivra pour aujourd'hui, maudite mouette. Oh là là, mais c'est parce que j'essaye d'avoir le bullet drop. Y a pas de bullet drop, forcément. C'est terrible, hein. Save for the Reavers, savage enough to survive in such a world. Ah zut, je vous ai pas écouté encore, mais je pense à vous, hein. Insupportable. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens me regardent jouer, parce que c'est, je suis vraiment insupportable, là, je me rends compte. C'est quoi ça? C'est comme dans Shadow of the Colossus. Paf! Visiblement non. À part être cruel, y a rien à y gagner. Ah, mais oui, exact, il y en avait tout en bas là. Ah, tu veux tuer l'ortolan? Je te montre comment tuer un ortolan. Voilà. Comme ça. Oui, non, c'est parce qu'en bas, elle veut que je l'accompagne, c'est ça, oui, en bas, on avait vu des petites boules bleues. Mais oui. Voilà, exactement ici même. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi là-bas. What are we doing exactly? Bah oui. Mending the disrepair. Start by lifting that axle. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle vie! Good. Now push it back into place. Ah, faut bourrer, à l'ancienne, on retrouve les vieilles sensations. Button mashing. Now realign the wheel onto the track. Et on bourre, on bourre, on bourre, on bourre. Perfect. Now push the bridge along the track. What? Ah, d'accord. The whole entire bridge is turning. How is the whole entire bridge turning? Boy, you're really strong. Just keep pushing until the bridge reaches its first position. Tired yet? C'est fou. No. He's always been really strong. So ça c'est vrai. Ça c'est avec Papa, il a des muscles. But what are they? They are poor, restless souls, denied their judgment and their peace. Why what? Could Vanir magic raise the dead? Ça se trouve, je serais allé derrière, j'aurais débloqué une warp zone, quoi. But this is no spell. This plague of dead is but a symptom of a world out of balance.
Something or someone has meddled with powerful forces. That is all I know for sure. Hey Jago, des bisous. That's ça va? Oui. Ok. Très bien. Par pitié. That was impressive. You didn't hurt your back, did you? I did not hurt my back. Ah putain, papa. Papa les ambiances. Hein. Oui, la promo est terminée. Ah oui, il y a toujours le. Faut que j'enlève le. Frostpunk. It was the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. All right. J'ai pas écouté. Allez, on y va. Ok. Oui, il est sur ma page, sinon mais il n'y a plus les 10% ouais, Frostpunk. Ah oui, bien sûr. Ah, tout le monde s'est fait la malle, hein, même l'autre nain il est pas là. Liosta. Your bowstring stopped glowing. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring and we used them. Comment ça, mais c'est quand qu'on a ça nous? On a besoin de ça. Your bow, please. Ah voilà, merci. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its power. Don't forget. Incroyable. Ça y est, le petit sbire. You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? The gods don't care for me much. Heureusement que c'est pas Suikoden. Ah, Suikoden. Suikoden 1. Je l'ai fait avec les 108 persos, hein. J'adore ce jeu. Hein. Non, mais de toute façon, on le sait que vous avez tous terminé le jeu en 3 heures en difficulté God of War. Hein. Vous savez, moi ça ne m'énerve plus tout ça. Vous savez, depuis que j'ai perdu toute foi en l'être humain, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Hein. Quand on n'a plus aucun espoir, y a plus de déception. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Alors peut-être que vous devez monter la luminosité chez vous, mais c'est magnifique. Those roots don't look like your magic. They aren't. These roots ah oui, on a dropé, des frames. Between the realms possible. Oui, bon, on a droppé 0,4% de frais. Elle lui suçait le derrière. Donc voilà, maintenant, c'est approach the table. Ça, c'est le grand classique, c'est-à-dire on a droppé pendant 2 secondes et dans 10 minutes, il y a encore des gens qui vont dire ça drop. Mais vous inquiétez pas. Hein. Alors. How bonjour. Does it work? You will need this. A Bifrost. A Bifrost. To create travel incroyable. Between realms. It can capture, hold and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. Attendez, pour une fois, j'essaye de m'impliquer dans l'histoire. What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room and this room alone that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the Nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree, separated only by the Bifrost Light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the World Tree? Only an artistic representation. Oh, c'est Dark Souls, quoi. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The Tree of Life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death,
and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Je vais pas m'énerver. Ah oui, d'accord, donc là en fait on va moduler le pont d'ici directement. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes, the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Indeed. Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. Oui, bon voilà, on a un hub quoi. We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms will open. C'est beau, hein? Petit, c'est beau. See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim tower disappeared from all realms. Et là, je me mets sur le truc et je me désintègre. When the giants vanished from Midgard, where the tower went and how they moved it remain a mystery. Follow me. The Bifrost is dark. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go away? Bah oui, on a le, with le the portail captured light of Alfheim, yes. La possibilité de revenir avec le portail vers Brock. Ok, ok, c'est joli, superbe. Revenir ici, justement. Ah ouais, j'ai redroppé des frames, c'est ouf. Pourtant, on est sur le serveur portugais. Le serveur portugais ne nous a jamais fait de sale farce. Plutôt SFR qui doit faire des farces. Welcome to Alfheim, gentlemen. C'est beau. Si, c'est beau, oui. The light. I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. No, no, no. Damn it, not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. Faire piéger dans les croix. Oh. Et voilà, ah, je déteste ça, les gens qui terminent pas leurs phrases, ça m'ulcère. She's not dead, is she? Not likely. Come. Merci Nawarkia. Nawarkia pour le prime. Et Luc Byron FR également. Look at this place. Stay by me. Touch nothing. Okay. Putain, c'est beau, hein? Alright, alors oui, évidemment qu'il y a de l'argent dans les vases, mais faudrait peut-être avancer, hein. Ça va se voir. Au bout d'un moment, ça va se voir. Ah. Ah, dans le doute, tout tabassé. I can do this all day, bitches. Not our concern, boy. Focus. Faut que je fasse le point. Ça, ça se tabasse, non? Non. Ah, tiens, viens lire ça. Boy. Boy. What does it say? Something about an eternal war for the light. I don't get it. If both sides need it,
Why not just share it? Greed. You will find it a common cause for war. Ah, ça allait m'empêcher de prendre le coffre, j'imagine. Sinon, je vois pas quel était l'intérêt de tabasser ça. Oui, ça devait être ça. Indeed. Bonjour. Ah. They keep murdering the lighthouse. It is war. The end of one. The robed one's lost. Bonjour. Ah. Écoutez, j'avais une rage à claquer. C'est tombé sur vous, c'est pas de ma faute. Je les lock tout le temps, hein. Sinon à chaque fois c'est un festival de on s'emmerde à essayer de les retrouver. Avec le camera, le camera. C'est le derrière. Merci à Screw the Wall Holo Guy. Pour le prime. Ok. Yeah. Oui. Ah là là, mais pourquoi il y a encore des insignes, des conneries partout? Non. Non. Oh, ok. Non. Ah, ce serait dommage de pas le prendre. Ah, c'est bon là, le... c'était quoi, les cornes de machin, l'hydromel. L'hydromel de ses mœurs. Augmenter ma rage. Soon we'll be able to translate those moose ball hammers. Ah non, fragment de code, pas du tout. 3 sur 4, on y est presque. Pour traduire. C'est... Ah bah traduire quand même les runes qu'on a vues souvent là. At least we're getting close. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, saloperie. C'est joli. Wait, is that Sindri? Ah oui, encore une hutte de ses morts. Papillon de lumière. To work we go. Amélioration de la hache. Mais oui, on aurait presque oublié. Bien sûr. Oui, j'ai la flamme de glace. Et là, paf! Et de nouvelles compétences sont disponibles du coup. Oh là là, des démarches. Toujours plus de démarches. Oui, parce que l'arme est niveau 3, donc nouvelle chose. En l'occurrence, tracker 1, viser et maintenez. Carré pour sélectionner 3 cibles sur un ennemi ou une cible sur 3 ennemis distincts. Ok. Donc un lock pour faire chier. Oh là là, mais j'ai tellement d'XP d'un coup là, j'avais pas vu ça. C'est le combat contre l'ogre qui a fait. Une forte explosion à l'impact. Tac. Et parce que oui, j'ai pas pris ça. Après avoir réussi un lancer de précision à la hache, point faible et coup à la tête, appuyez sur R1 lors de l'éclair pour rappeler à la hache et rendre le coup ou le lancer suivant explosif. Oui, d'accord. Putain, mais il y a tellement de choses. Et ça, j'ai pas pris. Lors d'un sprint, appuyez sur carré pour effectuer une attaque sautée. Ok. Enchaînez rapidement vos coups sans subir de dégâts pour charger la hache Léviathan et infliger des dégâts de givre à chaque fois que vous touchez l'ennemi. C'est pas mal ça. Mais ça incite à bourrer. Ce qui est pas forcément bon. Lors d'une esquive, maintenez le left stick vers l'avant et appuyez sur carré pour donner un coup de hache rapide. Genre quoi, pas sur le côté et d'accord. Lors d'une esquive, maintenez L vers l'arrière. Ok. Et un lancer boomerang. Augmenter la quantité de permafrost accumulée à chaque coup de hache réussi. Ah oui, c'est la suite du combo-combo. Ça va bien le combo-combo. Ah, oh, la puissante attaque sautée. On aime ça. Hein. En vrai, on aime beaucoup de choses.
C'est la même XP pour le petit con aussi. Et parce qu'il y a combat au bouclier aussi. Oh là là, mais il y a tellement de choses. Il y a les trucs de coup de poing. Est-ce qu'on veut jouer coup de poing ou pas? Puis il y a lui, là, le petit con. Oh là là. Oh, et c'est la même XP. Oh. Allez, ça, ça coûte rien. Donc on va le prendre quand même. Mais ça coûte rien, pourquoi j'ai jamais acheté les trucs pour que le petit soit moins stupide. Ça coûte absolument rien, j'hallucine, je les ai jamais pris. C'est dingue. Ok. Donc ouais, ce qui m'intéresse c'est... alors le truc de viser, pourquoi pas, mais je vais jamais m'en souvenir. Donc super grosse ambiance. En vrai, le sprint... Non, le truc du combo... Quel est l'avantage du truc des combos et de l'améliorer? C'est qu'au moins, j'ai pas de manip en plus à faire. Donc ça, j'aurais juste... ça se fera, quoi qu'il arrive. J'aurais pas besoin de m'en souvenir pour que ça se fasse, si vous voulez. Et ça, ça me plaît. C'est casse-couille. Ça, éventuellement, mais le sprint me plaît bien aussi. Les enchaînements derrière les esquives, c'est pas mal. Nécessite vitalité, bonus supplémentaire, augmente la résistance aux interruptions pour cette attaque. Ah oui, mais c'est selon mes stats, d'accord. Il y a des bonus si on a des stats de gorée, de porc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Voilà, l'attaque sautée, je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer de la mettre. Allez, faut qu'on joue, ça a commencé à se voir. Quoi qu'il est déjà 16h15, oh là là. Oh, j'ai envie d'en faire une dernière session quand même. On se retrouve à ce soir pour autre chose. Atreus, to me. Qu'est-ce qui se passe? Faut toutes les avoir en même temps? D'accord. Le petit bateau. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, c'est ça? J'avais cru apercevoir un truc, mais pas du tout. Ouais, bah, c'est le bateau. It's the only way. C'est pas ce nain qui vend des pierres de raise. Ah oui, les pierres de raise. What'd you say? I said nothing. Really? Il entend des voix. Ok. Non, en fait, non. Cancel. Abort. Abort mission. Abort mission. Did your mother speak of this realm? Not much. Just that since the elves were always fighting with the white, they kept them isolated. Je commence à le prendre et à lui sucer le bras. Attends, c'est ça là. Bah, voilà, ça j'aime bien. Ça, j'ai débloqué ça. J'appelle ça l'attaque des poètes. How are you here before us, dwarf? We were told our path was the only one between realms. Well, it may be the only way for you to travel, but we dwarves are full of surprises. That is not an answer. Ah, hang on to that sense of wonder. There's so little mystery once you've amassed the wealth of arcane knowledge that I have. Where to comb the realms for exotic resources? How to craft them into creations that defy imagination? To the novice, I'm sure it all seems like magic, but... oh, all right. Est-ce que j'ai des runes sur chacun de mes équipements? Je sais même pas. Je peux améliorer le couvre-épaule des arcanes. Alors pourquoi je peux améliorer que ça et pas le reste? Les autres armures de ces morts, c'est-à-dire que c'est des armures qui ne pourront jamais être augmentées. C'était l'armure du début, quoi. L'armure du début de jeu, bravo, t'as joué, t'es un connard. C'est ça? Ah oui, parce que là on le voit, c'est ça, en bas, niveau 1, mais il y a 3 billes, c'est quoi? C'est que ça peut aller jusqu'au niveau 3? Ou bien, c'est les enchantements. Je vais pas m'énerver, ça doit être ça. Hmm.
Du coup, c'est worse. Oh, vas-y, hein, ça me fait chier, mais on va passer sur le truc des arcanes alors. Ah, mais je peux fabriquer des trucs aussi. Niveau 2. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Parce que là, il est niveau 2, mais il a quand même qu'un truc en bas. C'est pour mettre des matérias, c'est ça. Ah, oui, mais d'accord, oh là là. Défense 17. Ah, oui. Parce que c'est vrai que je suis un peu dégueulasse, quoi. Force 8, mais c'est fort ça. Ah bah c'est pour ça que ça coûte 8000 balles d'ailleurs. Diantre alors. Oh. Vas-y alors, j'achète ça. Admettons. Équipé, voilà. Et ensuite, est-ce qu'on va me laisser du coup l'upgrader? Protection du torse. Protège épaule en cœur de loup. 1200 et de l'acier doux. Donc je peux, je l'améliore. I think that's a keeper. Tac. Hop, 2 plus. Mais j'ai pas les ressources parce qu'il faut de l'or d'Aegir que j'avais trouvé au pif sur le lac, mais j'en ai pas assez. Ah, il met 11 acier doux. Je vais pas m'énerver, hein. C'est vrai qu'on aurait pu rester au brassard des arcanes parce que c'est gratuit. Mais c'est juste défense et récup. Ouais, on va commencer, hein, on va quand même s'intéresser. Ah ouais, mais ça va. Oh, comme ça, ça va être une VOD super chiante. Oh, j'espère que t'es content, YouTube. Ah bah oui, parce qu'à ce moment-là, c'est tentant, bien sûr, de basculer sur des choses fortes. Donc défense, vitalité, sauf qu'on n'est pas parti sur l'armure de Viken, nous. Même si défense, vitalité, ça serait pas con. On est parti sur force, rune et défense, quoi. Sachant que rune, l'intérêt, c'était augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires. Bah, quelle vie. Que j'utilise quasiment jamais. J'adore ma vie. C'est vrai qu'on aurait pu partir sur de la vitalité. C'est vrai que je suis un connard, oui. Mais ça coûte cher, 6000 balles. Ah merde, j'ai bourré pour rigoler, on l'a vraiment acheté. Très bien. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis un professionnel. Protection des avant-bras, brassard en peau de loup. Amélioré. Si. Protection de la taille. Là j'ai la non mais on s'en fout là. Je veux un cache sexe. Je veux un cache sexe en peau de loup. Moi j'ai plus d'argent vraiment. Ah oui, j'ai pris le permafrost. Donc en fait oui oui ben oui c'est vrai. Donc c'est worse. Quoi qu'il arrive, je fais des dégâts élémentaires. Non mais équipé, j'ai pas équipé. Mais il l'a équipé. Fous-moi la paix. Equipped it. The cash sex. Ah non, t'as 7 en peau de loup. Bien sûr. Et pour mettre les emplacements, ah, il faut que je mette une rune. Le symbole de la vérité. Ah bah parfait, la force et les runes. Il faut qu'on fasse ça partout. En peau de loup. Ah non. Chance 5. Ah oui, chance pour avoir des loots. Vraiment les runes de pauvres. Mais en même temps, là vu que j'ai dépensé toute ma thune, ça va être compliqué d'acheter des runes. Hein. Donc on va se contenter de ces merdes. Le talisman. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah mais lui, on l'a vraiment... Ah oui, on l'a stuffé comme un clodo. On lui avait acheté une armure quand même. Hein. On t'avait acheté des vêtements. Hein. Alors arrête de te plaindre. Tu... On t'a acheté un petit t-shirt chez Petit Bateau. Arrête de nous emmerder maintenant. Bon bah peut-être qu'on va moins mourir maintenant. J'ai investi. On se balade. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La boule magique. Rosée de récupération d'Yggdrasil, épique. Boire la rosée de l'arbre monde procure des bienfaits durables. La récupération augmente de 2 points de façon permanente.
De façon permanente? Bah alors on l'a bu direct ou il faut la boire? Me dites pas que faut que j'aille dans mon truc et que je lui dise de la boire. Ça va m'emmerder. On va dire qu'il... C'est bon, on va dire qu'il l'a bu. Je suis en train de faire un grand tour et ça m'énerve. Again, I said nothing. Il entend des voix. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, c'est, il entend des voix, hein. Voices. You don't hear that? I hear nothing. It's going away now. It was screaming. Lots of voices, angry. Elle est dans les matériaux. You really didn't hear that? Ça s'utilise pas, donc tu ne l'as pas bu. Boy. It felt evil. Putain, I see dead people, quoi. Maudit gamin. Hé, gamin! Reviens, gamin! Alors. Putain, c'est beau, hein. Donc, vous l'avez vu dans mes ressources. C'était quoi, déjà? C'était le machin de... C'était Yggdrasil. Ah, peut-être là. Ah oui. Rosée de récupération d'Yggdrasil. Boire la rosée de l'arbre monde. On va dire que c'est bon alors. Non, on va peut-être dire que c'est... Ou bien faut que je fasse quelque chose, ou bien c'est... j'ai mes deux de récupération, c'est acté, mais je peux en cumuler plusieurs. On va dire que c'est ça. On va dire que le jeu est bien fait et pas dégueulasse. J'ai deux de récupération, c'est peut-être grâce à ça. C'est vrai que j'ai pas du tout investi dans la récup. Hein. C'est vraiment bien fait. Ouais, c'est ça. Ça a marché donc. C'est vrai qu'on n'a pas investi dans la récupération qui permet de réduire le cooldown des attaques spéciales. Bon, écoutez. Moi, vu que j'ai galéré à fond, j'ai préféré aller à l'essentiel. Attaque et défense. J'aurais pu aussi bourrer défense point de vie en vrai. Là on est plus parti sur un compromis de bourrin. Il y avait le compromis gros tank, zéro chance de crever. J'aurais peut-être dû partir là-dessus finalement. J'ai choisi la solution offensive. Oh. C'est beau. Look at that. That must be the Ring Temple. C'est un moment beau, hein. C'est toujours beau. On peut se poser là. Look, they have sand bowls in Alfheim too. Bonjour. Should I read it? Allez. What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. But I don't see any runes around here. Si j'avais su, j'aurais mis la musique de la vigie. J'aurais mis la musique de la vigie, le père Fouras. Oui. Alors. Ah merde, j'ai même pas lu. C'était quoi? Avec, sans moi, non, sans moi ou en moi, la mort est assurée, c'est ça? Et merde, j'ai pas vu la suite. Ah si. I think you're right. Oui. The runes aren't here. Ah oui. Maybe we should head to the temple. Titting, puis à la piche. Non. J'ai changé les touches, oui. Je joue en classique. Attaque légère sur carré et attaque lourde sur triangle. Magnifique. La rosée du matin. Mais ça part dans tous les sens là. Oh là là. Les elfes ne peuvent pas faire les choses. Alfheim est tellement beau, mais la guerre le fait ugly. Ah oui, non, mais c'est l'enfer! Parce que si à chaque. Si dans chaque monde. Il y a un hub. Ah oui, en effet, ça va être. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça va être très grand! Ah bonjour! Mal timé, visiblement. Ah, j'ai tenté mon petit coup du LOL!
Ok. Fun, fun, fun. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais, doudou, dis donc? Je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais que c'était bizarre, on n'avait pas eu le compte de l'XP. Il m'a fait peur, ce con. Ah putain, j'ai timé un peu en retard. C'est tellement injuste. Oh, j'ai esquivé trop tôt. Oh, je prends tellement cher. Oh non, j'ai pris tellement cher. Oh là là, y a pas de vie. Oh, oh. Oh, c'est pénible. Hein. Je m'y attendais pas là. T'as le jogger possédé. T'as tout ça pour ça? Je vais pas m'énerver. Ah! Non mais on n'a pas fait. C'était pour trouver un vase quoi. Je vous jure, j'ai pas m'énerver, je vais rester calme. Visiblement. Hein. J'ai pris cher, hein, mid-bar. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il entend des voix encore. Ensuite, faut pas oublier que. Vu que ça s'est ouvert. Ça se trouve, j'ai rien à faire là. Butin de guerre, artefact elfique 1 sur 6. Ah oui, en plus, on va avoir des collectibles. Ah! Attitré à chaque monde. Donc, en gros. Quoi, il y en a trop. Où ça? Trop. Trop. Comment ça, behind me? Non, non, il y en a pas d'autres là. Ça cesse au bout d'un moment. Comment ça? Y'a des flèches rouges qui m'inquiètent. Mais récupère depuis tout à l'heure, connard! Énorme! Il est parti en rage, flèche. Ok, ok, du calme, du calme, du calme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est possédé. Bah voilà, c'est ça que je voulais. Regardez, regardez, regardez. L'amour du travail bien fait. Et oui, j'ai mon nouveau dash. Dash 2 en 1. Voilà. Par contre, j'ai pris cher, hein, et on n'a pas droppé de vie. Putain, j'ai encore du mal, c'est pas naturel pour moi. Ah zut! Ah bah typiquement, je suis baisé là, non? Parce qu'il y avait ce truc, souvenez-vous, il y a un des pouvoirs que j'ai pas pris qui permettait de loquer plusieurs cibles en même temps. C'est ça qui me permettrait d'avoir ce coffre. Dis-moi que je peux le prendre là. Oh non, le con, j'ai fait le con, excusez-moi, j'ai fait le con. Je veux. Ah, c'est bon. Pile. Pile poil. Non, merde, non, c'est pas du tout ça, quel con, j'ai failli prendre le mauvais truc. Je me déteste. C'est ça. Oh non, c'est 1500. Motherfucker. Tu casses au retour. Alors oui. Ah, mais il y en a 3 en plus. Mais... En faisant le lourd. Ah voilà, fallait faire le lourd dingue. Juste le lourd dingue. C'est comme tout à l'heure. Un lancer avec triangle. Alors, ne vous inquiétez pas, je gère. Bon, ça va finalement. Ce sont des petits endroits où on trouve moult coffres. Hydromel. La folie du géant de glace. Attaque runique puissante. 3 puissantes frappes qui projettent l'ennemi en l'air. Toujours de nouveaux trucs là. Maintenir L1 et triangle. Ah mais du coup c'est une nouvelle. C'est un nouveau slot vu qu'on n'avait pas encore d'attaque L1 triangle. Formidable. Paf, paf. J'appelle ça le combo de la subtilité. Donc là des bourres et bourres et bourres. Très bien. D'accord. J'accepte.
Ah oui, il y a encore une VOD de Frostpunk. Où je sorte ça. Trop de VOD, il y a toujours 25 VOD en attente. Faudrait qu'on arrête de stream pendant un mois en fait. Ah voilà, petit stream de l'après-midi plus intimiste. Hein. On va enfin casser les stats. J'y crois à mort. Chambre cachée. Ah donc encore, je ne peux pas, c'est ça. Hein. On ne sait pas, on ne comprend pas. It's magically locked. On ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais il faut quand même essayer. C'est bizarre hein, parce qu'on me dit machin. C'est seulement quand je touche la porte qu'on me dit que ma carte est mise à jour. Ou c'était peut-être juste la suite du premier message. Ça on l'a fait, on s'est bien fait démonter le fion pour un petit trésor nul. Ah, ça fait plaisir. Comme quoi il n'y a pas juste que des petites sommes d'argent là-dedans. Est-ce qu'il y a un truc à détruire dans les arbres? A priori non. Et voilà, c'est tout pour ce petit espace. Des bisous YouTube. À bientôt. On commence à se faire moins chier, je vous le jure. Bisous.